Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Kosonou Afa Sonia. Je participe au concours Miss 2.0 et je suis la candidate numéro 278. Aujourd'hui, notre challenge est porté sur Montre-moi ton talent. Alors que moi, malheureusement, je ne sais pas danser, mais bien heureusement que je sais écrire. Alors, pour ce concours Miss 2.0, voilà que je vous ai préparé un test. C'est un récit. Sous forme de théâtre ou de scénario et tout ça. Mais c'est un récit qui est dédié au concours Miss 2.0. Alors, écoutons. Désolée, voilà. voilà. Ok. Alors, il n'y a pas très longtemps que j'ai eu la chance de connaître une personne, une amie, une sœur, qui se nomme Miss 2.0. Et aujourd'hui, mes écrits lui sont dédiés. À ma très chère amie, Miss 2.0, permets-moi de te dire ce nom que mes nombreux lecteurs recherchent. Mon semblable, ma sœur, bien que tu sois absent, l'homme à la peau blanche nous a appris à lier le bois au bois, à travers l'écriture. Bien que ton absence pour les études universitaires me peine, la lecture et mes écrits nous rapprochent. Cela fait un bon moment que j'ai vécu une scène émouvante, ma chère amie Miss 2.0, et je souhaiterais te le partager comme d'habitude, afin que notre promesse voie le jour, celui de faire la promotion de leadership féminin. Cette nuit-là, ma mère m'a encore parlé, mais je ne l'ai pas écoutée. Pour moi, elle me faisait du mal, mais elle me faisait du bien. Pendant que nous étions assis, mon ami et moi, je constata que le regard bouleversant de Awa qui est cette vie-là même qui est venue pour travailler chez mes parents. Alors, Awa dit ceci, pour toi est bon d'être, et je lui réponds pourquoi. Elle me dit, pour toi est bon. Ah bon? Et pourquoi tu dis ça? Lui répondis-je. Parce que j'aurais dû faire comme toi. Comment ça? Aller à l'école pour apprendre à travailler, apprendre le leadership. Mais pourquoi tes parents ne t'ont pas mis à l'école? Lui demandai-je. Si, ils m'ont mis à l'école, mais je n'ai pas considéré cette chance que j'avais pour réussir. Merci. Ce n'est que le début de réussir. Bonne soirée et bonne chance pour le concours Miss 2.0.